La bande d'encolure, réalisée en côte, ne peut pas se repasser directement. Pour pouvoir repasser et assembler la pièce correctement, il va vous falloir tricoter quelques rangs de jersey que vous allez ensuite détricoter. Pour cela, utilisez un fil de couleur. Vous pourrez alors repasser ces quelques rangs de jersey sans toucher les côtes. Prenez ensuite une aiguille à bout rond sur laquelle vous enfilez de la laine de la couleur de votre tricot. Détricotez tous les rangs de jersey. Pour le dernier rang, procédez point par point. Épinglez régulièrement autour de l'encolure les mailles de la bande. Puis, assemblez-la maille par maille à l'aide de la technique de la couture à point arrière que nous avons déjà vue ensemble. Ainsi, aucune maille ne se perdra en cours de route. Ce geste simple demande attention et précision, mais cela en vaut la peine. Regardez, l'assemblage est parfait.